Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Donc, nous sommes ravis d'être là dans cette conférence pour la présentation du Sommet mondial Climate Change qui se déroulera à Agadir. Agadir, c'est une région assez symbolique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'organisation de cet événement mondial qui va se dérouler pour la deuxième fois au Maroc? Pour nous, c'est une fierté d'organiser cet événement. Et depuis le mois de février, grâce à l'accompagnement de ceux qui ont organisé la COP22 de Marrakech, notamment le président Mzouar, Madame El Haïti, champion du climat, mais également grâce à la convention qu'on a eue avec le président de Climate Change, Monsieur le sénateur Dantec, nous avons décidé d'organiser ce sommet. La COP22 a été une réussite à Marrakech. Il est tout à fait normal que nous devons abriter au Maroc ce deuxième sommet des acteurs non étatiques. L'association Climate Change, c'est une association des acteurs non étatiques, très dynamique sur l'action. Vous savez, les États, ils dessinent des politiques, surtout pour le climat, mais l'action doit avoir lieu sur le terrain. Donc ce sont les collectivités territoriales, c'est les entreprises qui sont dans les territoires, c'est dans le territoire que l'action se passe. Donc les acteurs non étatiques doivent renforcer leur position, doivent renforcer également leurs négociations, constituer des coalitions et nous sommes heureux d'abriter cette rencontre puisque c'est aussi le progrès de l'action. Vous savez, la COP21, c'était la décision, c'est l'accord des États. La COP22, c'est la COP de l'action. Il y a beaucoup d'initiatives. Toutes ces initiatives seront reprises lors des focus à Agadir et on va mesurer le progrès de l'action qu'on a faite. Mais également, il y a la mobilisation de tous les autres acteurs. Ce deuxième sommet, c'est la première fois qu'on a un sommet des acteurs non étatiques en Afrique. Et nous voulons ici inviter beaucoup de participants africains, notamment il y aura toute une plénière qui sera consacrée aux villes africaines, qui sont les défis climatiques, et on va inviter beaucoup de participants africains, puisque c'est également l'Afrique, c'est le continent le plus touché par les changements climatiques et c'est le continent qui doit bénéficier également des financements qui auront lieu pour lutter contre les changements climatiques. Nous serons heureux d'accueillir le maximum d'Africains et nous avons travaillé pour cela et nous serons heureux également de les intégrer dans ces coalitions qui existent. Donc il y aura une grande présence, nous avons un programme très riche, comme je l'ai montré, il y aura des séances plénières, notamment concernant le financement, concernant les villes africaines, concernant la migration et le développement, qui est également un phénomène qu'on vit dans la région et dans le pays. Et il y aura également les focus, au moins 14 focus, c'est des actions qui ont démarré à Marrakech. Et nous avons des négociations de haut niveau. Donc tous ces groupes, ces coalitions qui vont discuter et préparer pour la COP23. Et nous avons également des forums, des ateliers. On a reçu plus de 250 demandes d'ateliers. On a retenu 80. Il y aura des expositions. Nous avons pris toutes les mesures pour réussir ce sommet. Et nous comptons sur les médias que vous êtes pour parler de l'événement, pour aussi assurer son succès. Pour parler des initiatives, et tous les Marocains savent que la région de Sousmassa, c'est une région assez sec, mais connue par ses oasis, par ses organiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'initiative que porte le Maroc, qui est assez innovante, pour la gestion de ces secteurs qui sont importants, et comment vous avez en fait instruit et financé ce projet innovateur? Donc en fait, l'initiative des oasis durables, c'est une initiative qu'on a présentée déjà à Marrakech et on a continué puisqu'il y a également une présentation au salon de Meknès. On a invité tous les pays producteurs des dattes qui ont participé avec nous. On a également, on l'a présenté à Strasbourg dans le sommet de la lutte contre la désertification et on aura une présentation, c'est pour vraiment mettre en place une coalition qui va porter cette initiative à l'échelle internationale. Vous savez, en ce qui concerne les oasis et l'arganerie, donc il y a l'agence de développement des zones oisiennes et de l'arganerie qui a fait un travail extraordinaire
extraordinaire au Maroc, qui a également bénéficié des financements climat, puisqu'on a les ingénieurs qu'il faut pour préparer les projets. Et on a déjà bénéficié d'un projet de fonds d'adaptation et un projet de fonds verts. Et il y a une réhabilitation des oasis, vu la politique nationale qu'on a mis en place. Et on a présenté cette initiative pour un peu que toutes les oasis du monde bénéficient de cette expérience, de ce savoir-faire. Et je pense que c'est une très bonne action qui va résoudre le problème de toutes les oasis du monde, vous savez, qui se trouvent dans des zones arides, qui sont très touchées par les zones climatiques. Par les changements climatiques, oui. Donc cette initiative, c'est assez innovante parce que vous avez bénéficié de financement. Et on sait qu'actuellement, il y a déjà les fonds nécessaires, donc le fonds vert que les pays africains peuvent y bénéficier pour développer et mettre en place en fait leurs projets. Est-ce que durant ce sommet mondial, donc Climate Change, vous allez présenter votre retour d'expérience pour aider ces pays qui veulent en fait mener des projets de développement durable, mais qui n'ont pas en fait l'expérience et les compétences pour faire cela? Bien sûr, nous allons présenter notre expérience. Il y aura beaucoup d'ateliers aussi qui sont relatifs au financement. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Puisque généralement, moi j'ai écouté, j'ai rencontré les acteurs non étatiques, surtout africains, il y a un problème de compétences. Donc nous avons besoin de mettre en place, c'est ce qu'a dit Mme El-Haïti, un mécanisme d'accompagnement de tous ces acteurs étatiques pour pouvoir préparer les projets et bénéficier des financements. Donc d'un côté, on a quelques financements qui sont déjà disponibles pour amorcer la lutte contre les changements climatiques, mais il n'y a pas assez de projets. Et donc là, il y a problème, il faut accompagner tous ces acteurs non étatiques pour avoir des compétences pour préparer les projets. Et au niveau du Maroc, donc, il y a un 4C, ce qu'on appelle, c'est une initiative pour les compétences, d'ailleurs qui sera présentée à Agadir, donc il y aura un focus sur le 4C des compétences, et ça sera l'occasion d'améliorer les compétences et des acteurs non étatiques. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci.